visite qui est extrêmement importante pour le territoire. C'est une visite qu'on attendait, puisqu'il y a un partenariat qui a été engagé et aujourd'hui, il s'agissait de l'officialiser, de le concrétiser par la signature de conventions qui vont amener quelques moyens financiers pour la commune et nous permettre aussi et surtout d'aller plus vite dans la concrétisation de notre projet de mandature, un projet qui nous amène à nous investir fortement sur la nécessaire réponse aux urgences du quotidien. Et un projet qui nous amène aussi à travailler sur les grands défis de demain, d'où la composition de la visite avec au démarrage la présentation de nos projets de proximité qui seront financés par le PST. Je pense notamment à la modernisation des routes pour 2,5 millions, la réhabilitation des maisons de quartier pour 600 000 euros. Nous allons également pouvoir faire des petits aménagements de proximité dans les quartiers, des aires de jeu, des aires de street workout, pour un montant de 350 000 euros. Nous allons pouvoir enfin avoir les moyens de répondre à des besoins de porteurs de projets en termes de création de kiosques à vocation économique. Donc oui, c'est un jour qui est important et ce n'est que le point de départ d'une collaboration plus approfondie entre la commune et notre partenaire, le département. Et l'idée, c'est vraiment de dire, nous, avec les collègues élus, on pourra faire tous les efforts qu'il faut, on améliore, on assainit la situation financière, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des relais, que les grandes collectivités viennent au chevet de cette ville qui a été oubliée pendant trop longtemps, alors qu'elle a énormément de potentiel, tant sur le plan naturel que sur le plan humain. Saint-Louis mérite aujourd'hui de reprendre pleinement sa place à l'entrée du bassin sud. Juste sa place, mais toute sa place. Ça fait des décennies qu'on attend un pont sur le Waki. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Et je vois dans la présence du président du département et de ses équipes techniques aujourd'hui un signal fort de la concrétisation d'un engagement. Il y a des études qui sont lancées, donc c'est aujourd'hui un projet qui est devenu réalité et non pas un projet qui traîne dans les fonds de tiroir. Et nous nous mobiliserons avec les conseillers départementaux, avec les élus de quartier, nous nous mobiliserons pour suivre avec attention les avancées de ce grand projet. On est sur un projet qui est énorme, il va aider Saint-Louis-la-Rivière, mais il va aider aussi Sillaos. C'est un grand projet réunionnais, puisqu'on est sur plus de quand même de 400 mètres d'ouvrages de franchissement à minima, 30 millions d'euros. Et de la même manière, de ce côté-ci, ça apportera une bouffée d'oxygène au coma circulatoire qu'on vit le plus souvent. De l'autre côté également, au niveau de Saint-Louis, au niveau du Radier de Trois-Ravines, l'engagement du département nous permettra de concrétiser dès 2024, démarrage des travaux, un ouvrage, là aussi, qui était attendu, qui va mobiliser des moyens du département comme de la commune. On est sur 20 millions d'euros. Ça nous permettra de régler aussi bien le problème du radier principal, mais aussi pour les habitants de Maison Rouge, le problème de la montée vers Maison Rouge, et de l'autre côté, un autre ouvrage qui sera fait pour aller vers le centre-ville. Donc on est là sur, on prépare l'avenir d'un côté, et on essaye d'améliorer la gestion du quotidien. Le département aujourd'hui, il est à nos côtés, et je le remercie. Et nous avons aussi besoin des autres partenaires, des autres collectivités, grandes collectivités, pour que le tour de table soit complet et qu'on puisse aussi mettre en chantier d'autres projets qui sont attendus, notamment la liaison entre la route de Sillaos et le pont de la rivière Saint-Étienne, la liaison entre la RN5 et la RN1, et je tiens à en parler. Et je ne doute pas que nous saurons être accompagnés dans notre mobilisation. On a l'énergie, on a l'envie. Il nous faut maintenant continuer à affermir nos partenariats.